Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. Je vous invite à vous lever. I invite you to stand. Est-ce qu'on peut signaler à Frère José, j'ai retrouvé mes lunettes. Can you tell Brother José that I found my glasses? Je pensais que je les avais oubliés quelque part. I thought that I forgot them somewhere, but I found them. Inclinons nos têtes. Let bow down our heads. Notre Dieu et notre Père. Our God and our Father. De tout cœur, nous te disons merci ce soir. From the bottom of our heart, we say thank you tonight. Pour toutes tes grâces. For all your graces. Et pour ta fidélité à notre égard. And your faithfulness towards us. Tu as permis, Seigneur, que nous venions dans ta présence. You permitted, Lord, that you may come into your presence. Nous venons de te louer avec joie. We're coming to pray. We praise you with joy. En tant que tes sujets. Being your subjects. Merci pour le prix qui a été payé au bois de Calvaire. Thank you for the price that was paid on the cross of Calvary. Pour notre achat. For our redemption. Chacun a investi sa foi dans cette œuvre. Everyone has invested his faith in that work. Il y a des avantages liés à cette œuvre. And furthermore, it's linked to this work. Accorde la grâce. Grant grace. Pour que nous puissions les expérimenter. For us to experience them. Nous voulons on gênera la parole de Dieu. We want to gather around the word of God. Bénis la lecture. Bless the reading. Que le glorieux Seigneur descende au milieu de nous. May the Holy Spirit come down in our midst. Pour nous en donner le contexte. To give us the context thereon. Nous attendons à toi. We're waiting upon you. Et nous croyons que tout sera fait. And we believe that all will be done. Pour ta gloire. For your glory. Et pour l'édification du corps de Christ. And for the edification of the body of Christ. J'ai ainsi demandé avec foi. I've thus asked with faith. Et au nom de notre Seigneur. And in the name of our Lord. Et Sauveur Jésus Christ. And Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons lire à deux endroits. We shall read in two places. Dans les Thessaloniciens. In Thessalonians. D'abord, 1 Thessaloniciens. First in 1 Thessalonians. Au chapitre 3. In chapter 3. Depuis le verset 9. From verse 9. Depuis le verset 9. From verse 9. Nous lisons la parole de Dieu. We are reading the word of God. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. To the end, he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Deuxième Thessaloniciens, premier chapitre. Second Thessalonians, in chapter 1. Verset 10 à 12. From verse 10 to verse 12.
Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants, sa bonté et l'œuvre de votre foi. Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you and he in him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of his word. Asseyez-vous. May you sit down. Nous venons de lire à deux endroits. We read in two places. Et nous allons parler. And we're going to speak. Du retour du Seigneur. Of the coming of the Lord. Qui sera glorifié dans le sien. Which is going to be glorified in his own. Quand le Seigneur reviendra. When the Lord shall come. Il sera glorifié dans le sien. He is going to be glorified among his own. Le sien, c'est vous, c'est moi. His own, the Lord's ones, are you and me. Pas chez les autres. Not by others. Il y a un groupe avec lequel Dieu fait l'histoire du salut. There is a group with whom God is fulfilling the plan of salvation. Et seuls sont concernés. And them alone are concerned. Dieu traite avec eux. God is dealing with them. J'aimerais que chacun puisse réaliser ce qu'il porte comme responsabilité devant Dieu. I'd like every person to realize what responsibility is bearing before God. Ça dit Dieu compte sur son église. It means God is counting upon his church. L'église n'est pas le bâtiment. The church is not the building. Ni les gens du message. Nor the people of message. C'est un peuple à part. It is the people which is set aside. Et cette promesse. And this promise. Est en rapport avec le retour du Seigneur. Is in connection with the coming of the Lord. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. And today, my brothers and sisters. Nous vivons à l'ombre du retour du Seigneur. We living within the shadow of the coming of the Lord. Pour notre temps, notre âge. For our time and for our age. Là, c'est la Odyssée. The age of Laodicea. Le retour du Seigneur. The coming of the Lord. C'est la promesse principale. It is the main promise. C'est ça l'actualité. And that's a headline. Et Dieu nous a honorés. And God has honored us. En nous confiant le message son retour. By confiding us the message regarding his coming. C'est un message urgent. It is an urgent message. Dieu avertit par vous. God is warning through you. Dieu avertit par moi. And God is warning through me. C'est vraiment une très grande responsabilité. It's truly a great responsibility. Et dans le plan de Dieu. And in God's plan. Ce message doit aller partout. This message ought to go all over the world. Parce qu'il a une double action. Because it has a double action. D'un côté, on one side, il est destiné à la préparation de l'épouse. It is meant for the preparation of the bride. Il fera en sorte it will do, que l'épouse soit prête pour le retour du Seigneur. It will work in way that the bride be ready for the coming of the Lord. De l'autre côté, on the other side, il doit être prêché it must be preached dans le monde entier in the entire world, pour servir de témoignage. For a witness. Même s'ils ne croient pas, even if they do not believe, qu'ils soient avertis. Let them be warned. Dieu avertit d'abord. God first warned. Ensuite vient les jugements. And then come judgment.
Et Dieu ne peut pas juger le monde sur base des mensonges. And God cannot judge the world on the ground of a lie. Il faut que les gens rejettent la vérité. It first need for the people to pour être jugés, condamnés. Refuse the truth. Pas sur base des mensonges. Judged and condemned, not on the ground of a lie. Dit, je vous juge parce que vous avez refusé de croire que vous avez Dieu. Ça n'existe pas. Will he say that I'm judging you because you refuse to be the ground of God? No. Even people will have vous avez refusé la vérité. But you've refused the truth. Dit, regardez. Say, look. Dans ma parole. In my word. C'est moi qui ai demandé à l'Église de baptiser. It's me who has asked the church to baptize. Et dans la parole. And in the word. Je vais montrer comment il faut baptiser. I show how they must baptize. Dis, trouvez-moi dans cette Bible. Now find me in this Bible. Dans cette parole qui m'appartient. In this word that belonged to me. Un seul passage. A single writing. Où quelqu'un aurait été baptisé au nom du Père, someone was du even Fils, baptized in the name esprit. Of the Father, Son, and the Holy Spirit. People will shout. Parce keep quiet. Le monde se juge par Jésus Christ. Because the world will be judged et by Jesus Christ. Et la parole. And Jesus Christ is the word. Vous qui baptisez au nom de Branham. You that baptizing in the name of Branham. Tu fais au nom de Branham. You doing things in the name of Branham. Je vais ordonner dans cette Bible. I ordain this dans Bible. Ma parole. In my word. Quoi que vous fassiez. Now whatsoever you should do. En parole. Let it be ou en acte, at work or by word. Do au all nom things du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Il faut que les gens rejettent la vérité. It's need for the people to reject the truth. C'est pour tout le problème de la vérité. That's why all the ne doivent pas se taire. All the prophets of truth should not keep quiet. Si quelqu'un est en erreur, if someone is par wrong, amour, out of love, on doit lui montrer son erreur. We must show him where he is il faut wrong. Qu'il reste la vérité. He must know the truth. Et à la fin, he must reject il the truth. Entendra la même voix. Then in the end, he is going to hear the very same voice. Quand tu reviendras, when he shall come, il se glorifiera dans le sien. He is going to glorify himself within le among his sien, own. C'est vous, his c'est own, moi. It's you and me. Nous sommes concernés par la chose. We are concerned by the thing. Le retour du Seigneur est imminent. The coming of the Lord is imminent. Il y a des gens qui nous ont précédés. They are people who have gone before us. Qui attendaient le retour du Seigneur. That were waiting for the coming of the Lord. Déjà depuis le premier âge. Already from the first age. Le retour du Seigneur est une expérience vivante parmi les croyants. The coming of the Lord was a living experience among the believers. Au point qu'il se serait en disant Maranatha, c'est-à-dire le Seigneur revient bientôt. To point that they were greeting one another saying Maranatha, meaning the Lord is coming soon. Et à travers tous les âges. And in the course of all the ages. Le vrai chrétien attendait le retour du Seigneur. The true Christians were waiting for the coming of the Lord. Il est dit de Martin Luther. It is spoken of Martin Luther. Qu'il se rendait souvent chaque matin à la porte de la ville pour attendre le retour du Seigneur. That he was heading every morning at the gate of the city, waiting for the coming of the Lord. Mais aujourd'hui, but today, vous et moi, you and me, nous sommes certains, we are certain, que nous pouvons attendre à cet événement. That we can wait upon that event. Ce que nous ne connaissons pas, what we don't know, c'est l'heure. It is the hour. Personne ne connaît l'heure. No one knows the hour or the time. Mais nous sommes certains, but we are certain, que c'est dans notre temps, that in our time, que le Seigneur revient, that the Lord is coming. Tous les signes sont là, all the signs are there, et nous les prenons au sérieux, and we do take them seriously. Beaucoup parlent du retour du Seigneur. Many are talking of the coming of the Lord. Si tous les gens du message. Especially the people of the message. C'est au niveau de la bouche. It's out of the mouth only. Mais il n'y a rien dans leur cœur. But there's nothing in their heart. Et ils le savent. And they know it. C'est seulement un slogan. It's just a slogan. Il n'est pas suffisant de parler seulement du retour du Seigneur. It's not sufficient to just
talk of the coming of the Lord. Mais nous devons plutôt nous préparer. But we should rather prepare ourselves. Connaître le temps, c'est bien. To know the time, that's a good thing. Mais être prêt, c'est mieux. But to be ready, that's better. N'est-il pas écrit dans cette Bible? Isn't it written in this Bible? Au sujet des vierges. Regarding the ten virgins. Que les vierges qui étaient prêtes. Those that were ready. Entrèrent dans la salle des noces. They entered into the wedding. They were waiting home. Frère, c'est une mise en garde très sévère. Brother, it's a very serious warning. Parmi les vierges qui attendaient le Seigneur. Among the virgins that were waiting for the Lord. Le groupe est scindé en deux. The group is divided into two. Il y a des vierges sages. There are wise virgins. Et des folles. And foolish ones. Toutes les vierges attendaient le Seigneur. All the virgins were waiting Mais for the Lord. Mais à l'heure cruciale. But in the crucial time, crucial moment. Le vierge réalise qu'il leur manquait de l'huile. That the some virgin noticed that they were lacking oil. Mais le sage était prêt. But the wise one were ready. On doit être prêt. We must be ready. Il n'est pas suffisant de crier Jésus revient. It's not sufficient to shout that Jesus is Il a envoyé un prophète. He has sent a prophet. Il y a un message. There's a message. Ce n'est pas suffisant. It's not sufficient. La chose essentielle. The essential thing. Pour vous et pour moi. For you and me. C'est la préparation. It is the preparation. Et on doit être prêt. And we must be ready. Tout le monde doit être prêt. Everybody must be ready. C'est pourquoi That les concernés se préparent. The concerned people are preparing themselves. Dans Apocalypse 19, in Revelation chapter 19, le verset 7, in verse 7, dit réjouissons-nous. Say, let's rejoice. Soyons dans l'allégresse. Let's rejoice. Car les noces de l'agneau sont venues. Let us be glad and rejoice and give honor unto Et son épouse s'est préparée. For the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. Quiconque fait partie de l'épouse. Whosoever is part of the bride. Il a une obsession qui s'appelle la préparation. She is very obsessed to one thing which is called preparation. C'est ça notre priorité zéro. And that's our number one priority. Ma préparation relative au retour du Seigneur my preparation in connection to the coming of the Lord est plus importante que ma propre vie. It's more important than my own life. C'est plus important que mon travail. It's more important than my job. Plus important que mon mariage. It's more important than my Plus my important marriage. Que ma famille. It's more important than my family. C'est ça la priorité zéro. And that's the number one priority. Et l'époux se prépare. And the bride is preparing herself. Le vierge folle. The foolish virgins. Sont dans des discussions. They're still arguing. Et dans des futilités. And in futile things. Mais l'époux se prépare. But the bride is preparing herself. C'est un temps de préparation. It is a time of preparation. Nous venons ici we come here pour nous préparer. To prepare ourselves. Maintenant, il y a un secret. But there is a secret. L'épouse doit être prête. The bride must be ready. C'est-à-dire préparée. Must be prepared. Et perfectionnée. And must be prepared and perfected. Maintenant, pour réaliser cette chose, Now to achieve this, il n'y a que des promesses de Dieu. There are only God's promises. Pas autrement. Not otherwise. Regarde dans les dénominations. Look in denominations. On parle du retour du Seigneur. They're talking of the coming of the Lord. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Ouvrez vos cœurs. Open up your hearts. Il n'y a rien. There's nothing. Il n'y a rien. There's nothing. Nous le faisons sur des promesses. But we do it on the ground of promises. Il est très très important. That's why it is very very important in this hour de mettre en évidence to put into evidence les promesses qui correspondent pour cette heure. The promises which correspond to this hour pour la préparation de l'épouse. For the preparation of the bride. Je peux même anticiper. I can even anticipate pour que les gens jouent avec le feu. To show that people are playing with fire. Regardez Look, dans Matthieu 25, in Matthew chapter 25, vous avez la parabole des noces de l'agneau avec les cinq vierges,
les 10 vierges. You have the parable of the waiting of the lamb. Mais the il y a virgins. Le chapitre 24 de Matthieu. But there's chapter 24 of Matthew. Qui précède le chapitre 25. That precedes chapter 25. Dans lequel il parle des noces de l'agneau. That comes before, which is spoken of the waiting of Dieu the lamb. Dieu a veillé même à la disposition de la Bible. God, brothers, God has provided for the Bible. Ça dit le ministère. It means the ministry. Qui est dans Matthieu 24. Which is in Matthew 24. C'est celui qui fera en sorte it que le vieux soit prêt. That will cause the foolish, the wise virgin to be ready. C'est relié à ça. It is linked to that. C'est pourquoi Matthieu 24. That's why Matthew chapter 24. 45, 47. 45 to 47. Est destiné aux vierges sages. It is meant to the wise virgins. C'est un ministère Amen. Destiné uniquement aux vierges sages. It is a ministry meant only for the le wise vrai virgins. Bénéficiaire. The true beneficiaries de ce ministère of this ministry sont les vierges sages. Are the wise virgins. Les autres ne peuvent pas they cannot digest it parce que ce n'est pas leur destination. Because it's not meant for them. Nous attendons le Seigneur. We're waiting for the coming of the Lord. Et il y a des promesses. And there are promises. En rapport avec ce temps. In connection with this time. Et l'épouse. And the bride. Pour être préparée. Has to be prepared. Et perfectionnée. And perfected. On doit mettre en évidence ces promesses-là. We have for the bride to be prepared and perfected. We need to put into evidence those promises. Pas autrement. Not otherwise. Quand Jésus reviendra, when Jesus will come, il se glorifiera dans le sien. He will glorify himself among his own. Mes frères et mes sœurs, my brother, my sisters, nous sommes appelés à une haute élection. We are called to a highest election. Avant de quitter cette terre, before leaving this earth, vers la gloire, toward glory, nous verrons la gloire de Dieu. We are going to see the glory of God. Et le monde verra la chose. And the world will see the thing. Ce sera trop tard. But it's going to be too late. N'a-t-il pas dit dans la Bible? Didn't he say in the Bible? Vous verrez de nouveau. You see again la différence, the difference entre celui qui me sert between the one who serves celui qui me sert pas. And the one who doesn't serve me. Les gens, people, les hommes verront ça. Men will see this. Nous sommes appelés à une haute élection. We are called to a highest calling, highest election. Frère Branham voulait voir la fin de l'œuvre. Brother Branham wanted to see the end of all the achievements dit of the work. Mieux vaut le commencement d'une chose que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. It's better the end of a thing than its beginning. C'est un temps glorieux. Brother, it is a glorious time. Nous verrons la gloire de Dieu. We're going to see the glory of God. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. And we're going to experience the glory of God. Et Dieu fera l'histoire du salut avec les siens. And God will achieve the plan of salvation with les concernés, the concerned people, les élus, the elect, pas avec les gens du message, not with the pas avec les dénominations, avec le sien, but with his own people. Deux hommes et des femmes, men and women, qui appartiennent à Jésus-Christ, who belong to the Lord Jesus Christ, pas à l'Église, not to the church, à son corps, to his body. C'est l'Église épouse, it is the bride church, le sien, his own. Revenons à notre texte. But come back to our text. Là, on a lu. Where we read. Le verset 10, 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. 1 Thessalonians chapter 3, verse 10. Nuit et jour. Night and day. Nous le prions avec une extrême ardeur. Praying exceedingly. De nous permettre de vous voir. That we might see your face. Et de compléter ce qui manque à votre foi. And might perfect that which is lacking in your faith. Ne priez jamais de façon superficielle. You should never pray superficially. Soyez profond dans votre prière. Be deep in your prayer. Paul dit. Paul says. Que Dieu nous doit Jésus visiter. That God may give us the grace to visit you. Afin de compléter ce qui manque
à votre foi. That my perfect, that which is lacking in your faith. Ceci est très très important. This is very important. Paul désirait aider les chrétiens. Paul longed to help the Christians. Au manquement de leur foi. In the lacking of the faith. On doit être honnête et sincère devant Dieu. We must be honest and sincere before God. Dieu bénira un cœur honnête et sincère. God will bless an honest and sincere heart. Le temps dans lequel nous vivons. The time in which we live in. Chacun devrait faire l'inventaire de sa vie. Each person has to do a stock take of his own life. Et quand nous allons devant Dieu, and when we go before God, on lui cache rien. We hide nothing before him. Chacun connaît ses manquements. Every person knows his shortcomings. Dit celui qui connaît ses fautes. Say the one who knows his mistakes. Et qui les avoue. And mais il obtiendra miséricorde. He will receive grace. Mais celui qui les cache, or receive mercy, il ne pourra jamais progresser. Will never prosper. Frères, brothers, nous sommes destinés à quelque chose de très élevé. We are made to something which is very high. Il n'y a qu'une seule foi. There is only one faith. C'est la foi biblique. It is the faith from the Bible. Et la foi biblique, and the faith from the Bible, n'a pas de manquement. Has no shortcomings. C'est parfait. It is perfect. Il n'y a pas de manquement. There are no shortcomings. Et il faut atteindre cette foi-là. And you need to reach that faith. Jésus n'a-t-il pas dit? Didn't Jesus say? Celui qui croit. The one who believes. Comme le dit l'Écriture. As the Scripture say. C'est ça le secret. And that's the secret. Nous attendons Jésus. We're waiting for Jesus. Il faut une foi dans la parole de Dieu, une foi totale. It's need for a total faith in the word of God. Pas une foi flottante. Not a floating faith. Nous sommes des hommes. We are human beings. Dans notre nature. In our nature. Nous avons des problèmes. We have problems. La foi est contre la sagesse. Faith is against wisdom. Amen. Quelqu'un qui reconnaît ce qu'il est. Someone who recognizes who he is. Il peut demander le secours. He can ask for the raise for help. Parce qu'il a réalisé son besoin. Because he has realized his need. Mais dans la Odyssée, but in Laodicea, vous avez des pécheurs irrésolus. You have unresolved sinners. C'est ça les comble. And that's what is very serious. Tu es aveugle. You are blind. Tu es nu. You are naked. Tu es misérable. You are rich. Tu es malheureux. You're misfortunate. Et tu ne le sais pas. And you do not know it. C'est un âge qui ignore sa condition. It's an age that is ignorant of imaginez its condition. Un homme nu avec ignore, il refuse. Naked, blind. Il dit le contraire. He refuses that to believe his state. C'est ça la condition de l'âge. And that is the state of the age. Quelqu'un il est sur une fausse route. Someone is taking a wrong path. Vous voyez la parole du pour l'aider. You go on mais to lui help refuse. Him, but he refuses. C'est terrible. It's terrible. C'est pourquoi les vrais chrétiens sont honnêtes. That's why the true Christians are honest. Devant Dieu. Before God. Frère, on doit être honnête. Brothers, we must be honest. Même la vie chrétienne. Even the Christian life. C'est un processus. It is a process. Il y a des étapes. There are stages. Je peux voir. I can see. Je suis dans quelle étape pour le moment. At what stage I am now. Chacun connaît son cœur. Every person knows his own heart. Tu peux tromper tout le monde. You may deceive everybody. Sauf ton cœur. Except your heart. Et Dieu. And God. Tu peux tromper ta femme. You may ton lie pasteur, to your wife or ton église, pastor, your church. Mais tu ne pourras jamais tromper ton cœur. But you will never be able to lie to your heart. Si tu n'es pas correct, if you're not right, ton cœur te le dira. Your heart will tell you that. La vraie foi n'a pas de manquement. The true faith has no shortcomings. Pierre, je dois comprendre à ce qui manque.
Paul says I must add on to what is lacking. C'est pourquoi il est très important, mes frères. That's why it is very important, my friend. De venir écouter la parole de Dieu. To come to hear the word of God. C'est ça même le but du service divin. And that is the very purpose of the divine work. Nous ne venons pas ici pour faire des présences. We do not come here to attain. J'étais à l'église aujourd'hui. No, I was at church. C'est pas ça. That's not it. Dieu nous parle. God speaks to us. Dieu nous montre ce qui ne va pas avec nous. God shows us what is not right. Là où nous avons failli. Where we failed. Et nous corrigeons. And we amend. Le jugement commence par la maison de Dieu. Judgment begins in the house of God. Chacun a des qualités et des défauts. Every person has qualities or values. Dieu dans son amour. And mistakes. Descend pendant la prédication. In his love, he comes et down parle à chaque cœur. And he speaks to every heart. C'est bien d'écouter un bon sermon. It's good to listen to a good sermon. Oh, on a bien prêché. No, they preach so c'est well. Bien. That's good. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Now, what did you receive in your heart? Ce qui est important pour chacun d'entre nous. What is important for each one of us? Il n'est pas suffisant. It's not sufficient. D'applaudir les prédicateurs. To clap. Non, il a vraiment bien prêché. No, he preached so mais well. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Now, what did you get or received in your heart? Le restaurant, l'église comme un restaurant. The church is like a restaurant. Le plat est servi. The plate is served. Vous devriez sortir avec votre morceau. You must go out with your piece of meat. Dis aujourd'hui. Saying today. Dieu m'a dit c'est moi, pas les autres. To me, not to others. Mais Satan parfois nous rend distrait. But oftentimes Satan makes us distracted. Aujourd'hui, nous connaissons qui est Satan. Today we know who Satan. Même sur, comment est-ce qu'il agit. And how he operates. Satan n'a jamais montré à quelqu'un ses propres fautes. The devil has never shown to anyone his own mistakes. Ça n'existe jamais. That doesn't exist. Satan vous montre les autres. Satan shows you other people's mistakes. C'est ça, see Satan. Such brothers, such sisters. Mm-hmm. That's the devil. Mais le Saint-Esprit, but the Holy Spirit, nous convainc de notre péché. Convinces us of our own sin. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. And that is the job of the il Holy Spirit. Il va vous convaincre. He's going to convince là où vous you êtes fautif. Where you are wrong. Mais Satan, lui, but the devil, him, les autres. You will point on to others. Quelqu'un peut être ici. Someone may be here. Pendant la prédication. During the preaching. Si on veut prêcher. I'm busy preaching. Lui, il fait le diacre. He's working as a deacon. Dis ça, c'est pour tel frère. Says, such word belongs is suitable pour for such brother. Et à la fin, lui, il n'a rien. And in the end, he has nothing. N'a rien. He has nothing. Et Satan aime ça. And the devil likes it. Nous sommes destinés à une autre élection. We are made to a high election. Quand Jésus reviendra. When Jesus will come. Il se glorifie dans les siens. He's going to glorify himself among his own. Ça dit, Dieu dépend de nous, frères. It means God depends on us, brother. Dieu nous a réellement honoré. God has truly honored us. Pour l'action finale. For the final action. Dieu va se glorifier dans son épouse. God is going to glorify himself in his pas bride. Dans les assemblées du message. Not in the churches non, of the message. Non, non, non et non. No. C'est déjà une séduction. It's already a deception. Dans son épouse. In his bride. Je vois dans Jean 12. I believe in John chapter 12. Si mes yeux sont bons. If I'm not mistaken. Jésus priait. Jesus was praying. Dis Père, say, Father, glorifie ton nom. Glorify your name. Une voix est venue du ciel. And a voice came from heaven. Je l'ai glorifié. I've glorified him. Et je le glorifierai encore. And I'll glorify him more. Le nom de Dieu a d'abord été glorifié en Christ. The name of God was first glorified in Christ. Mais à la fin, à l'achèvement du temps de grâce de la grâce pour l'Église du Nouveau Testament, of the time of grace ça sera dans l'épouse. It's going to be in the bride. Des hommes et des femmes. Men and women. Qui prendront part à la gloire de Dieu. That will partake to the glory of God. Et c'est pour bientôt. And it is very soon. Donc, c'est un peuple qui est déjà en préparation. Therefore, it is a people which is preparing la himself. Préparation se maintenant. Preparation is taking place right now. Notre purgatoire se maintenant. Our purgatory is right now.
Purgeons nos âmes. Let purge our souls. Ne soyons pas des catholiques du message. Let not be the Catholics of the message. Parce que chez les catholiques, because by Catholics, après la mort il y a le purgatoire. After death there is purgatory. Mais notre purgatoire c'est maintenant. But our purgatory is right now. On doit purger nos âmes. We must purge our mais souls. Mais notre conscience. And your conscience. C'est un temps de préparation. It is a time of preparation. Nous devons nous assurer. We need to ensure que chaque chose est à sa place. That everything is in its right. Place. C'est comme la parabole des drachmes. It is like the parable of the pieces. Cette femme qui avait perdu une de ses pièces. This woman who lost one of her pieces. Elle a tout arrêté. She stopped everything. Elle a pris le balai. She took a broom. La lampe. She took the lamp. C'est un nettoyage à fond. It was a deep cleaning. Parce que devait retrouver la drachme. Because she ought to find or recover the piece. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. On doit être prêt. We must be ready. C'est un temps de préparation. It is a time of preparation. Quand Jésus reviendra. When Jesus will come. Où sont les prédicateurs? So where are the preachers? Où est le pasteur? Where is the pastor? Non. No. Il prendra la vierge prête. He is going to take the virgin. Et chacun ready. Doit être prêt. And every person must be ready. C'est un temps où chacun devrait faire l'inventaire. It is a time where every person need to do a stock take. Dit ici, il y a encore des flottements ici. They are still making there. Je dois beaucoup travailler sur cette terre. I must work hard on this ground. Et quand on va devant Dieu, and on when cache you rien. Go before God, you hide nothing. C'est ça un chrétien. And that's a Christian. Il y a un exemple que j'ai toujours donné. There is an illustration that I always give. En rapport avec la révélation. In connection with the revelation. Regardez dans 2 Timothée. Look in 2 Timothy. Le chapitre 3 ou 4. In chapter 3 or 4. Dit, sache que dans le dernier jour, il y aura temps difficile. That know that in last days there will be perilous days. Dit, les gens seront égoïstes. People will be selfish. Fanfarons. Selfish, hautain, boastful, blasphémateur, blasphemous, gens de bien, enemy of good people. Ce sont les conditions de l'âge. These are the states tout le monde of lit the age. Cette écriture. Every person read this scripture. Mais Dieu envoie un prophète. But God sends a prophet. Quand on lit, but Branham says, quand il commente l'écriture, when he comments upon the scripture, ils seront égoïstes. They're going to be selfish. Mais regardez les dons que font certaines nations. Behold the gift which certain nation they are making. Il explique. He is explaining. Quelqu'un qui donne à contre-cœur. Someone who's giving despite his own heart, his own willing. Dieu, before c'est God. Un égoïste. He is a selfish person. Ou par intérêt. Or out of interest. C'est comme aujourd'hui. It's like today. Tu as ton petit frère. You have your young brother. Qui vient chez toi pour étudier. Who comes to you to study. Mais toi, tu ne veux pas dans ton cœur. But you do not want that in your heart. Mais tu as peur de ton père. But you are afraid of your dad. Si je refuse. Say, should I refuse? J'aurai trouble avec papa. I'll have trouble. I'll be in trouble with tu dad. Tu l'acceptes. You accept. Mais dans ton cœur, tu n'es pas content. In your heart, you're not happy. Tu peux payer ses études. You may pay for his studies. Payer la dot de sa femme. You may pay the dowry for his wife. Pour le petit frère. For the young brother. Il va te louer. He's going to praise you. Dit, mon grand frère a tout fait say, pour my moi. My older brother has done it. Mais au jour du jugement. By the day of judgment. Dieu, tu es égoïste. Tu fais ça contre. Tu ne voulais même pas. God, you say that you selfish. You were doing it despite you. You didn't even tu want that. Tu t'es caché la face. You were just hiding. Dans ton cœur, tu ne voulais pas ça. You didn't want that in your heart. C'est pourquoi that's why, si vous posez des actes when you posing actions, posez-les avec votre cœur. Pose it with your heart. Que celui qui donne let the one who's qui donne avec joie let him give with c'est joy, non qu'il a résolu dans son cœur. As it has resolved in his own heart. Ton beau-frère vient your brother-in-law comes mais tu n'as pas la joie de lui donner ça. But you have no joy to welcome him. Dis, mais si je ne fais pas ma femme sera say, fâchée. If I wouldn't do this my wife will be cross. Mais il va remercier. Merci, mon frère. Say thank you, brother-in-law. C'est vraiment une bonne personne. This is truly a good person. Mais pour Dieu, tu es égoïste. But for God, you're selfish.
On doit atteindre un niveau we must reach a level que Dieu nous demande dans la Bible. That God is asking of us in the Bible. L'Écriture dit, the scripture says, aimez vos ennemis. Love your enemies. This is ton ennemi. If your enemy is a faim, he is hungry, donne-lui à manger. Give him food. Pas en gémissant. Not groaning. Tu le fais avec joie. You must do it with c'est joy. Ça le christianisme. And that Christianity. Il y a des sœurs qui ne parlent jamais à leur belle-mère. There are sisters who never had conversation with the mothers in law. Vous êtes en retard. But you are late. Il y a même des frères. There are even brothers. Dis-moi, ça c'est une folie. This is foolishness. Tu vis avec une femme. You're living with a woman. Mais tu ne parles pas à son père. But you do not talk to his father. Mais tu te sens comment? Now how are you feeling? J'ai trouvé ça drôle. I find it so strange. Même parmi les frères. Not even among the brothers. Un jour, un frère m'appelle. One day, a brother calls me. Il dit, pasteur. C'est pasteur. Tel frère. Such brother. C'est mon gendre. He is my son-in-law. Je l'ai croisé. I met with him. Revenant d'un long voyage. Coming from a long journey. Il ne m'a même pas salué. He didn't even greet me. Dis, c'est vrai? Is it true? J'appelle le frère. I call the brother. Mais ça, c'est une folie, ça. So this is foolishness. Mais tu vis avec sa fille. But you living with his daughter. Tu te sens comment? How are you feeling? Mais un chrétien. But a Christian. C'est une haute élection. It is a high election. Quand on atteint le niveau que Dieu veut, when we reach a level that God là, wants, nous manifestons la nature de Christ. There we manifest the nature of Christ. Christ savait que Judas allait le livrer. Christ knew that Judas will deliver him, betray mais him. Il a appelé mon ami jusqu'à la fin. But he called him my friend till the end. Est-ce que vous voyez? Can you see this? On doit atteindre ce niveau-là. We must reach that level. Quelqu'un fait du mal. Someone harms you. Mais nous, on lui fait du bien en retour. But we do good in return. La foi doit atteindre le niveau que Dieu veut. Faith should reach the level which God wants us to reach. C'est quoi? What is it? Croire. To believe. Comme dit l'Écriture. As the scriptures say. C'est ici où nous avons un problème. And that way we have a problem. Nous sommes des hommes. We're human beings. Nous avons nos pensées. We have our own minds. On doit laisser tomber nos pensées. We shall let go all our minds. Prendre la pensée de Dieu. Take God's mind. C'est ça la meilleure pensée. And that is the best mindset. Laissons nos voies. Let leave our ways. Suivons la voie de Dieu. Let follow God's way. C'est ça la meilleure voie. And that's the best way. Mais il y a des mises en garde. But there are warnings. Mes voies ne sont pas vos voies. My ways are not your ways. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. And my thoughts are not your thoughts. Ça dit la foi. It means faith. Elle est contre la sagesse. Is against wisdom. Nous acceptons ce que Dieu dit. We accept what God says. Même si cela est contraire à notre raisonnement. Even if that could be contrary to our reasoning. Regardez quand le Seigneur était sur la terre. See when the Lord was on earth. Il dit, je vais ressusciter au troisième jour. So I shall rise on the third day. Mais les gens étaient choqués. My people were shocked. Il ressuscitait au troisième to jour. Rise the third day. Frère. Brothers. Qui peut accepter ça? Who could have accepted that? Un homme meurt. A man who dies. Et il ressuscite. And in the third day he rises. Les gens ne pouvaient que secouer la tête. People could only shake their heads. Et Dieu a fait une démonstration. And God made a demonstration. Jésus fut enterré. Jesus was buried. Au troisième jour. The third day. Il est ressuscité. He came back to life. It was risen. Tellement que cela dépassait tout entendement. As that was so, no one could believe that. Frère, on a même utilisé l'argent. The brother, they even used money. Pour essayer d'étouffer la vérité. To try to quench the truth. Prenez l'argent. Take money.
soldats qui gardaient la tombe. They gave money to the soldiers that were guarding the tomb. Dites, on a volé son corps. Just say that his body was stolen. Non, ça ne peut pas croire. This we cannot believe. Dis, on a volé son corps. They stole his body. Mais on ne peut pas tout faire la vérité. But you cannot quench the truth. Le soldat qui avait vu. The soldiers who saw it. Dis, chérie. Say, darling. Tu vois, je fais 3 jours. Say, I spent three nights. On gardait la tombe. We're guarding the tomb. Mais je te dis. But I'm telling you. Cet homme. That man. Assurément. Et surely. Il est fils de Dieu. He is the son of God. Mais garde ça pour toi-même. But keep it for yourself. Elle aussi dit à son ami. She, in her turn, she also got mon to tell her friend. La tombe. My husband is risen. Jesus is risen. Tu es mon ami. You are my best friend. Toi. Keep it for yourself. Et c'était parti. And it was all over. It went. Donc, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Therefore, one shouldn't reason with the word of God. On doit croire. We must believe. Amen. Dis, tout est possible à celui qui croit. Everything is possible to the one who believes. Frère, rien que ça. Brothers, only that. Ça doit donner de la force. It must give us strength. Donc dans la foi, therefore in faith, tout est possible. Everything is possible. C'est un chrétien, it means a Christian, un obstacle, even before an obstacle, it minimizes it. Je parle chez le médecin. I may go to the physician, to the doctor. Il n'y a plus d'espoir. There's no more hope. Il a parlé d'après la science. He is talking according to science. Dieu n'a-t-il pas dit? Didn't God say, je suis l'Éternel. I'm the Lord. Qui t'ai guéri? Who heals de you toutes les maladies. From all your diseases. Si tu crois, if you believe, tu vas expérimenter la chose. You're going to experience. C'est le raisonnement. It's reasoning. Et ce qui nous dérange? And that what's disturbing us? On doit croire comme dit l'Écriture. We must believe as the Scriptures say. Cette Bible, this Bible, cette parole de Dieu, this word of God, c'est une parole immuable. It is an immutable word of God. Ça ne peut pas changer. It cannot change. Frère Branham. Branham. Quand il lisait jusqu'à Marc 11, when he was reading, I guess, Mark chapter 11, he is a prophet. Dit, si quelqu'un dit à cette montagne, if someone tell this mountain, ôte toi, remove from, et s'il ne doute pas, where you are, and Frère Frank s'arrête. Doubt, but Frank stops. Dit non. Say well. Frère Branham s'arrête. Frère Branham stops. Il dit mais. Says well. Dans la nouvelle alliance, in the new covenant, tout est fait au nom de Jésus. Everything is done in the name of Jesus. Mais si le nom est exclu, now here the name is excluded. Peut-être Jésus perhaps a dit ça Jesus avant la crucifixion. Before him being crucified. Donc il voulait esquiver. He wanted to skip it. Dieu dit ça. God came down. Il dit, ce n'est pas ça. See, that's not it. Tel que c'est écrit, as it is written, ça doit s'accomplir. It must come to pass. Ici, l'expiration ne peut pas t'aider. Here, the explanation cannot help you. Il faut que tu en fasses une expérience. You must have an experience. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il dit, l'expérience, ça ne peut pas aller. So the experience cannot go. Il faut qu'il expérimente. You must experience it. Et il a permis à Frère Branham. And he permitted to Brother Branham. D'expérimenter cette écriture à 5 reprises, 5 c'est le chiffre de la grâce. To experience this scripture 5 times, 5 is the number of grace. Il prononce quelque chose. He had to something. Et la chose apparaît. And the thing came to pass. Yeah, c'est la vérité. Say it is the truth. Dis, tu vois. You see. Ce que je fais avec toi. What I'm doing with you. Ce que je ferai avec l'église à la fin. That is what I'm going to do with the church in the end. Il voulait voir ça. He wanted to see it. Et cette église, c'est vous, c'est moi. And this church is you and me. Amen. Ce n'est pas ce bâtiment. It's not this building. On doit atteindre ce niveau-là. We must reach that level. Croire comme dit l'Écriture. To believe as the Scriptures say. Pas comme disent les frères. Not as the brothers say. Comme dit l'Écriture. Just as the Scripture says it.
Et là, il faut une croissance. And there it requires a growth. C'est pourquoi quand Paul écrit, that's why when Paul writes, dans son épître, in his epistle, au verset 12, in verse 12, et que le Seigneur fasse croître. Let the Lord make you grow. La croissance the growth, est nécessaire. The growth is necessary. On doit passer par là. We need to go through that. C'est important dans la marche chrétienne. It is important in Christian journey. Même dans la nature. Even in nature. Nous ne sommes des bébés. We are born being babies. Il y a des étapes. There are stages. Il y a l'enfance. There is an infant. L'adolescence ou la jeunesse. Teenager. Et puis la troisième partie c'est and la vieillesse. And the third one is old age. Et puis la sortie c'est fini. And then you die. That's le troisième âge. The third age. Il n'y a pas de quatrième âge. There are no fourth age. La croissance. The growth. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le Fils de Dieu. Son of God. C'est Jéhovah dans un corps de chair. It's Jehovah in a body of flesh. Il a suivi le même chemin. He followed the same path. Il n'est pas né adulte, c'est un bébé. He was not born as an adult. He was born by a baby. Que Marie a porté dans ses bras. Whom Mary carried in her arms. Il a grandi devant le monde. He grew up in the sight of the world. Et quand vous allez voir dans Luc, on peut lire ça rapidement. If you turn to Luke, we may read it quickly. Luc chapitre 2, je crois. Luke chapter 2, I guess. Dit il croissait. See, he was growing. En stature. In stature. En sagesse. In wisdom. Devant Dieu. Before God. Et devant les hommes. And before man. Luc chapitre 2, Luke chapter 2 et le 52. In verse 52. Et Jésus croissait en sagesse, and Jesus increased in wisdom, en stature, in stature, et en grâce, and in favor, devant Dieu, with God, et devant les hommes, and man. Tout le monde pouvait constater la chose. Every person can notice a thing. Même dans le ministère. Even in the ministry. Nous croissons. We do grow. Frère Frank dit. Brother Frank is saying. Je grandis sous le ministère de Frère Branham. I grew under the ministry of Brother Branham. Quand Paul écrit à Timothée. When Paul is writing to Timothy. Dit applique-toi à la lecture. So apply yourself into reading. Enfin que tes progrès. Not for your soit progress pour tous. To be evident to all. Paul a dit la même chose. Paul said the et same quand thing. J'étais enfant, when I was a child, je me comportais comme un enfant. I was behaving as a child. Maintenant now, que je suis devenu adulte, now I became an adult. J'ai fait disparaître I caused to disappear tout ce qui est de l'enfance. All that is of childhood. Frère, il y a une croissance. Brother, there is a growth. Il y a une croissance. There is a growth. Maintenant, regardez les secrets. Now, look at the secret. Tout ce qui vit, all those who live, est soumis à un processus de croissance. Everything which is alive is subjected to a growth process. Quand vous prenez le grain de maïs. When you take a grain of corn or maize, qui a la semence de vie, which has a seed of life, vous jetez en terre, and you cast it on the ground, pourrit, it will rot. Puis il y a la résurrection, and there's a resurrection. Ça pousse, it will grow. Et il y a la croissance, and there's a growth. Vous avez des jeunes plantes, you have tender plants, tiges, you have a stalk, balle, you have a ball, épine, you have a shaft, and then grain. Maintenant, récolte. And the corns and in the harvest. Maintenant imaginez. Now imagine. Vous avez un champ de maïs, vous avez semé. You sow a maize
in the maize field. Les jeunes plantes sortent. And the tender plants are coming out. Après une semaine, c'est 10 mètres. Are springing up. After a week, deux semaines, reach 10 mètres. 10 centimeters. Trois semaines, 10 mètres. After 2 weeks, still 10 centimeters. Un mois, 10 centimètres. 3 weeks, pas 10 mètres, still 10 centimeters. Ça ne va pas. Now you then wonder, there's something wrong. Un arbre mort. A dead tree ne croit jamais. Will never grow. La croissance est stoppée. The growth is stopped. Mais un arbre qui vit. But a tree which is alive is subject de croissance. To a growth process. Dans l'expérience, c'est la même chose. In the Christian experience, it is the same thing. Le premier pas dans la vie chrétienne. The first step in the Christian life. Ça s'appelle la nouvelle naissance. It's called the new birth. Ce que Jésus avait dit à Nicodème. That's what Jesus told Nicodemus. Un grand docteur, un ancien prédicateur. A great teacher and elder in Israel. Tu dois naître de nouveau. You must be born again. Aujourd'hui dans ce message. Today in this message. On a beaucoup de prédicateurs sans nouvelle naissance. We have many preachers without new birth. C'est ça le problème. And that's a problem. Tu dois naître de nouveau. So you must be born again. Nicodème était troublé. Nicodemus was troubled. Un homme vieux comme moi. A old man like me. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître? Should I go back to my mother's womb? Dis-moi, toi, tu ne comprends pas ça. You don't understand this. Et les gens du message, la plupart, ne sont pas nés de nouveau. And for the people of the message, the majority of them are not born again. C'est ça le problème. And that's a problem. C'est ça la confusion que vous trouvez un peu partout. And that's a confusion that you can't be finding everywhere. That's the lacking of the new birth. Regardez leur comportement. Look at their behaviors. Et pour naître de nouveau. And to be born again. Jésus a montré le chemin. Jesus showed the way. Comme Moïse. As Moses. Éleva le serpent. Rise the serpent. Donc il faut la prédication de la croix. It requires the preaching of the cross. Si nous voulons amener. If we want to take. Les gens à la nouvelle naissance. The people to the new birth. Il n'y a que la prédication de la croix. It is only the preaching of the cross. Mais les gens ils ont ces étapes. But people are skipping that step. Ils ont commencé avec le message. They began with the message. Des citations. Quotations. Sans nouvelle naissance. Without new birth. Ils parlent comme des anges. They're talking like angels. Mais ils vivent comme des démons. But they're living like demons. Il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. There's never been new birth. Pour être de nouveau. To be born again. L'adresse correcte. The rightful address. C'est la croix. Is the cross. C'est la prédication de la croix. Is the preaching of the cross. Et Satan pour les achever. And the devil to achieve them. Quand vous parlez de la croix, when you talk of the cross, il dit bébé pentecôtiste. Say Pentecostal babies. Nous voulons des mystères. We want mysteries. Comment peux-tu comprendre les mystères sans nouvelle naissance? How can you understand the mystery without a new birth? Méchant comme vous l'êtes. Wicked as you are. Aucun de méchants. None of the wicked. Ne comprendra. Will understand. Il faut d'abord entrer dans le royaume. You must first enter into the kingdom. Et on y entre par la nouvelle naissance. And one get into the kingdom pas through autrement. The new birth, not otherwise. C'est ce qui manque à beaucoup de gens du message. And that's what's lacking to many people of the message. On a tout confondu, mes frères. They've confused it all. Croire en Jésus. To believe in Jesus. Recevoir la vie éternelle. And to receive the eternal life. C'est une autre chose. C'est une chose. It is one thing. Le message. The message. En est aussi une autre. Is also another thing. Le message. The message. Est destiné à la préparation des bouches pour le retour du Seigneur. It is made for the preparation of the bride for the coming of the Lord. Mais pour entrer dans la famille de Dieu. But to enter into God's family. Ça c'est par la nouvelle naissance. That's through the new birth. Et on ne reçoit pas la vie en croyant au message. And one doesn't receive life while believing in the message. C'est en naissant de nouveau. It's by being born again. La nouvelle naissance. The new birth. Le salut. Salvation. Être enfant de Dieu. To be a son of God. C'est la même chose. It is the same thing. Quelqu'un ne peut se joindre à ma famille. Someone cannot join my family. Il faut naître dans ma famille. You must be born in my family. Nous avons des joyeux d'église. We have people who do join churches. Mais les joyeux enfants de Dieu. But the true child of God. Naissent de nouveau. They are born again. Si nous avons la vie éternelle. If we have eternal life. Par la nouvelle naissance. Through the new birth. Là automatiquement. They automatically. Nous sommes soumis
à un processus de croissance. Parce qu'on a la vie. Growth process, because we have life. Un arbre mort ne croît jamais. A dead plant will never grow. Dans la nature. Or no, you can even see nature. Et comme ils sont pas nés de nouveau, because they are not born again, il n'y a pas de croissance. There are no growth. Ce qu'ils peuvent dire, what I can say, c'est nous qui avons commencé. It's us who began. J'ai 20 ans dans les messages, frère. I spent 20 years in the message. Quand on a cru, tu étais jeune. When we believed you, you were young. Mais observe son comportement. Now watch his behavior. Aucun changement. Yes, there's no change. Il n'y a pas de croissance. There's no growth. Même dans les fausses doctrines. Even in false doctrine. Il n'y a aucune croissance dans la fausse doctrine. There is no growth in false doctrine. Notre croissance. Our growth. Est liée à la nourriture. Is linked to the food. Regardez les Américains qui sont bien nourris. Look at American people who are well fed. Quand vous les regardez, when you look at them, sont des géants. They are giant people. Spirituellement, spiritually, quelqu'un qui est bien nourri, someone who's well fed, il est censé refléter la bonne santé spirituelle. To reflect the, pas autrement. The spiritual good health, not otherwise. Pas autrement. Not otherwise. On reste des progrès. We achieve progress. On a de croître. To grow. Et nous sommes en plein dans la croissance spirituelle. And we are in the spiritual growth. On ne régresse pas. We do not decrease or quand regress. Tu as cru, when you believe, tu assistes à tous les services. You used to attend to all the services. Maintenant, c'est un service par semaine. Not one service per week. Est-ce que tu vois pas que tu es malade? Don't you see that you are sick? On arrête, il est temps. We're going to stop at this time. On va continuer demain, oui, demain. We're going to continue tomorrow. Donc nous sommes sur le sujet dimanche, je crois. Therefore, we're here until Sunday. Maintenant, c'est nous. Not us. Parce que Jésus doit se glorifier à nous. Because à son Jesus retour. Must glorify himself in his pas dans le pasteur. Chacun homme et femme frère. Now in the pastor. Nous to verrons every la gloire man de and women, Dieu. We're going to see the glory of God. Dieu va achever son œuvre. God is going to achieve his work. Dans une gloire. To complete his work in the glory. Sur cette terre, upon this earth, il y a une catégorie de gens. There is a type of people, kind dans of people, lequel Dieu va se glorifier. In whom God is going to glorify c'est himself. Toi, c'est it's moi. You and me. Et Dieu compte sur vous. And God is counting upon you and upon que me. Le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. On va continuer demain. We're going Dieu to continue voulant. Tomorrow, God willing. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Mettez-vous debout. Please stand up. Faites donner nous un cantique. Brother, give us a song. Après avoir écouté une bonne parole. After having